Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une nouvelle semaine d'actualité sur TV Plus Madagascar. Ainsi, je vous invite à suivre cette édition jusqu'à son terme. Mais pour commencer, voyons tout d'abord les titres. 14 personnes sont décédées des suites de la collision entre le bateau Mazava 2 et le boutre cargo Ovi Fenuran à Antouyi hier au soir, dimanche 11 septembre, selon le bilan du BNGRC. Le bateau qui a coulé transportait 33 passagers, dont 4 sont toujours recherchés. Madagascar va participer au sommet de la francophonie qui se déroulera au Djerba, Tunisie, au mois de novembre prochain, selon la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabou, à la sortie de sa rencontre avec le président de la République, Andra Zouilne, cet après-midi au palais d'État d'Yavelou. Le paludisme demeure encore la 8e cause de la mortalité à Madagascar. Le taux de contamination s'avère encore élevé dans environ une cinquantaine de districts. Seulement 13 districts accusent un faible taux. Le mode lutte contre ce fléau le plus efficace reste toujours le renforcement de l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à effet durable. Le roi Charles III est arrivé à Édimbourg pour participer à une cérémonie organisée en hommage à Élisabeth II dans la cathédrale de Saint-Gilles. Une procession rejoindra la cathédrale Saint-Gilles à laquelle se joindront le roi et la reine consort. À la une des actualités, 14 personnes sont décédées des suites de la collision entre le bateau Mazava 2 et le boutre cargo Ovi Fenuran à Antouyi hier au soir, dimanche 11 septembre, selon le bilan du BNGRC. Le bateau qui a coulé transportait 33 passagers, dont 4 sont toujours recherchés. Il faisait déjà nuit quand le drame a eu lieu et le manque de moyens de repérage lumineux du bateau Mazava 2 a été mis en cause, selon les estimations de l'APMF. Au moment de l'accident, le boutre cargo a tenté de s'enfuir mais a été rattrapé vers 1h du matin. L'enquête est désormais entre les mains des autorités. Gracia Ndiatitouirna a tendu son micro au BNGRC et à l'APMF ce jour. La collision entre le bateau Mazava 2 et le boutre cargo Ovive Fenran, plus imposant, s'est produite 15 minutes avant d'entrer dans Atafiapats à Antsui, hier dimanche vers 19h30. Selon les informations, le bateau Mazava 2, transportant des produits de première nécessité et 33 personnes, est parti d'Imbik. Lorsque l'accident s'est produit, le boutre cargo ne s'est pas arrêté mais a continué sa route. Résultat, 14 personnes ont péri tandis que 4 autres sont toujours recherchées. Des rescapés auraient réussi à rejoindre les rivages de la mangrove, mais leur nombre reste à vérifier, selon le directeur général du BNGRC. La PMF d'Analalave est immédiatement intervenue, appuyée par les autorités locales, et a intercepté le cargo avec 4 marins et 3 passagers à son bord vers 1h du matin. L'enquête est ouverte concernant la fuite de ce cargo. Le directeur des affaires internationales juridiques et environnementales de la PMF a également déclaré que l'inexistence d'un centre de la PMF et de poste de la gendarmerie à Imbik n'a pas permis les vérifications avant départ du bateau Mazava 2. L'enquête permettra de vérifier si le bateau était pourvu d'un dispositif de repérage lumineux approprié dont l'absence aurait pu être la cause de la collision. Quant au boutre cargo, il a été confirmé qu'il était parti sans avoir été contrôlé au départ par la PMF Antsui. L'enquête permettra de déterminer toutes les responsabilités dans ce drame qui a coûté la vie de nombreuses personnes. La PMF martèle que les réglementations et lois relatives au transport maritime et fluvial devaient être respectées à la lettre
pour éviter les accidents et les naufrages. Madagascar va participer au sommet de la francophonie qui se déroulera à Djerba au large de la Tunisie au mois de novembre prochain, selon la secrétaire générale de l'OIF, Louise Moucheki-Houabou, à la sortie de sa rencontre avec le président de la République, Ndrazuil, cet après-midi au palais d'État Diavoulou. Elle a également fait part de l'extension du projet pilote Participation des femmes rurales au développement intégré, financé par le Fonds francophonie avec elle de l'OIF, la secrétaire générale de l'OIF quittera Madagascar au bout de 3 jours de visite officielle. Au micro de Abraham Razaf et sur les images de Eric Ranefson, les deux correspondants de TV Plus Madagascar durant cette visite officielle. Cette audience avec le président de la République est une audience pendant laquelle nous avons passé en revue l'action de l'OIF à Madagascar. Notamment les actions de coopération. J'ai fait part au président de la République notamment de 2 initiatives qui marchent très bien sur l'autonomisation des femmes rurales avec un soutien du Fonds de la Francophonie avec elles qu'on va passer à l'échelle et le projet qui va devenir beaucoup plus important, qui va passer de la phase pilote à une phase beaucoup plus importante sur l'octroi des actes d'état civil. Nous avons également parlé de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, des grands rendez-vous mondiaux, du sommet de la francophonie auquel le président de la République prendra part, qui se tiendra les 19 et 20 novembre en Tunisie. Et puis nous avons aussi parlé de l'éducation. Il m'a fait part de cette grande initiative de Madagascar émergent. Nous avons donc passé en revue à la fois la coopération entre la francophonie et ce beau pays qui est notre pied-à-terre dans l'océan Indien, mais aussi des soucis et des opportunités qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Question transport. Le prix du ticket à 600 riyals pour les zones urbaines est actuellement une source de déficit pour de nombreux transporteurs. Selon le président de la coopérative de la ligne 192, le cahier des charges n'est plus respecté et des transporteurs ont dû quitter les rangs de la coopérative de la ligne 192 à cause de ce déficit. La solution avancée par la coopérative est la fixation d'un prix unique du ticket de transport en commun à 700 riyals dans la capitale. Reportage signé Mika Rangiamboulaz sur les images de Arfidi Rakoutmanal. Les transporteurs desservant la zone urbaine se sentent totalement désavantagés à cause de la fixation du prix du ticket à 600 riyals. Selon le président de la coopérative de la ligne 192 reliant Akadkelilaf à Mandikanaman, le déficit est dû à la hausse exorbitante du coût de revient avec l'augmentation du prix des carburants, mais aussi celle des coûts d'entretien, tels l'achat de pièces de rechange, qui représentent une obligation pour ces transporteurs afin de normaliser les véhicules dédiés aux services de transport public, d'après les explications. Actuellement, les transports en commun sont dans un état lamentable à cause de ce déficit. Le président de la coopérative qui gère la ligne 192 a déclaré que même si les recettes restaient les mêmes, il ne sera pas possible de surmonter l'augmentation du prix du gazole et de l'essence. Il a pris comme exemple également le coût de la vidange des véhicules qui a presque doublé. Des transporteurs ont dû jeter l'éponge, selon le président de la coopérative de la ligne 192, handicapant le secteur du transport en commun dans la capitale. En effet, rien que pour cette coopérative, 11 véhicules ont arrêté le service. Ce responsable propose comme solution la fixation du prix unique du ticket à 700 riyals. Cette fixation permettra la poursuite de ce service public dans les normes, dit cite le président de la coopérative à Ounz. La décision de l'application de ce prix à 700 riyals nécessite bien évidemment des négociations préalables avec toutes les parties prenantes, toujours d'après ses explications.
Si l'objectif de plantation d'arbres cette année était de 6000 hectares pour la région de Haute-Matsiatch, la superficie des terres plantées d'arbres atteint les 7700 hectares actuellement, selon le rapport du ministère de l'Agriculture. En parallèle, l'incitation aux agriculteurs doit être continue en matière de culture afin d'atteindre à terme l'objectif qui est l'autosuffisance alimentaire, un programme spécial pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs initiés avec l'appui financier du gouvernement allemand, s'est achevé la semaine dernière dans la région de Haute-Matsiatch. Reportage relayé par Sibella Rendjemazav et Fetchan Diamanazar. Villages de 35 communes de la région de Haute-Matsiatch ont bénéficié du programme PLAE4, choisis en raison de leur vaste surface cultivable. Une véritable réussite, puisque 7700 hectares de terre ont été plantés d'arbres, dépassant de loin l'objectif qui était que de 6000 hectares. 1600 hectares de terres agricoles ont également été protégés de l'érosion. Cependant, seulement 48% des terres ont bénéficié de titres fonciers. Les agriculteurs doivent être encouragés à continuer les efforts déjà entrepris afin d'atteindre l'objectif qu'est l'autosuffisance alimentaire, selon toujours le ministère de l'Agriculture. Un programme spécial pour l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs a été initié et financé par le gouvernement allemand dans plusieurs régions de Madagascar, dont la région de Haute-Matsiatch. On peut dire que le programme PLAE4, financé par le projet de coopération allemande KfW, a atteint son objectif, selon le ministère de l'Agriculture, mais les efforts doivent se poursuivre sur le long terme. Le programme a pris fin pour la région de Haute-Matsiatch lors d'une cérémonie officielle la fin de la semaine dernière, ayant vu la présence de 17 maires de la région de Haute-Matsiatch. La population du nord de Madagascar reste fidèle au président de la République. La foule venue nombreuse lors de la cérémonie d'inauguration de la R15A reliant Abilbé à Weimar à la fin de la semaine dernière est la preuve que le président est encore crédible envers la population du nord de Madagascar. D'après le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Nord, Eric Bessou, de plus, la population du nord du pays a montré sa reconnaissance envers le président de la République, le seul à avoir mené à bien la réhabilitation de la route nationale numéro 5A. À part l'inauguration de la R15A, le président de la République a organisé l'installation d'éclairage solaire dans la ville de Weimar lors de sa visite de ce district de la région de Sava. Zou Rabardan. Aucun des nombreux dirigeants ou hauts responsables originaires du nord du pays à s'être succédé pendant des années n'ont pu réhabiliter la route nationale 5 reliant Abilbé à Weimar. Selon Eric Bessou, vous êtes le seul président qui a su mettre fin au cauchemar de la population du Nord par la réhabilitation de la route nationale 5A, a-t-il précisé lors de son allocution pendant l'inauguration de plusieurs infrastructures à Weimar. Le vice-président du Sénat chargé du Triangle Nord a été direct lorsqu'il s'est adressé à la population de Weimar, déclarant qu'il fallait aimer la personne qui nous fait du bien et qui n'est autre que le président de la République. La présence de la foule venue nombreuse à Weimar la semaine dernière est la preuve de la crédibilité du président de la République, surtout dans cette partie nord du pays, selon toujours Eric Bessou. La population reste fidèle au président Radzouil, même si la propagande électorale est loin de commencer. Le vice-président du Sénat n'a pas oublié sa ville natale et a demandé au président la réhabilitation de la route reliant Marwantsit à Mananar et celle de Marwantsit à Sambav. À part la réhabilitation de la route nationale 5A, le président Radzouil a également doté Weimar de dispositifs d'éclairage solaire pour illuminer la ville.
Question santé, le paludisme demeure encore la 8e cause de mortalité à Madagascar. Le taux de contamination s'avère encore élevé dans environ une cinquantaine de districts du pays. Seulement 13 districts affichent un taux réduit. Le moyen de lutte contre ce fléau le plus efficace reste toujours le renforcement de l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à effet durable. Le lancement de la DCC ou distribution continue communautaire de ces équipements a été effectué à Marvoy. Reportage signé Antalasso. La lutte contre le paludisme reste encore un problème de santé publique à Madagascar, malgré de multiples interventions et campagnes de sensibilisation. L'éradication du paludisme s'avère impossible, vu que les anopheles femelles infectées qui transmettent le parasite à l'homme par piqûre peuvent réapparaître suivant le climat des régions, même après une campagne de lutte drastique, selon les intervenants dans la lutte. Actuellement, plus d'une cinquantaine de districts accusent encore un taux élevé, variant de 50 à plus de 100 pour 1000 personnes atteintes. Parmi les districts concernés figurent Midunyatsimu, Befutak, Vangainjan et Marvoy. Ainsi, cette maladie demeure encore la 8e cause de mortalité en milieu hospitalier et le 5e motif de consultation au niveau des centres de santé de base, selon les statistiques reçues. Le renforcement de la lutte s'avère primordial afin de diminuer le taux de propagation de cette maladie. La distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides a toujours été la manière la plus efficace pour limiter le taux de transmission de cette maladie. Une autre forme de distribution axée surtout sur la continuité des activités de distribution vient d'être conçue et réalisée. Au total, plus de 841 000 moustiquaires seront distribués dans 14 districts des 8 régions concernées par cette campagne. À titre de rappel, le traitement du paludisme reste gratuit au niveau des centres de santé de base publique. Le lancement officiel de la distribution continue communautaire ou DCC de moustiquaires imprégnés d'insecticides à effet durable a eu lieu à Marvoy. C'est maintenant l'heure des actualités internationales. Le roi Charles III est arrivé à Édimbourg, en Écosse, pour participer à une cérémonie organisée en hommage à Élisabeth II dans la cathédrale Saint-Gilles. Une procession rejoindra la cathédrale Saint-Gilles à laquelle se joindront le roi et la reine consort qui marcheront derrière le corbillard. Une cérémonie religieuse suivie d'une veillée funèbre auront lieu en fin de journée et en soirée. Reportage de France 24. Des centaines de milliers d'anonymes, des milliers d'anonymes qui se sont rassemblés devant la cathédrale Saint-Gilles. On a parlé avec un certain nombre d'entre eux et beaucoup ont souligné le caractère historique de ce moment. On parle même de funérailles du siècle pour Élisabeth II, peut-être plus imposante et plus émouvante que celle de Winston Churchill, le premier ministre d'Élisabeth II, le premier premier ministre d'Élisabeth II. Donc depuis l'annonce de son décès, beaucoup d'émotions à travers le pays. Nous étions du côté du château de Balmoral où s'étaient rassemblés déjà beaucoup d'Écossais, mais c'est sans commune mesure avec la foule qui a afflué aujourd'hui aux abords de la cathédrale Saint-Gilles. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malgache. Restez sur TV+ Madagascar.